Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, consultation Bande Kopé Projet, les présents Tshisekedi attendu à Bujumbura. Bandeko président de la République Azana Burundi, leno samedi, alors bandeko kuna kei pona makambu oezo leka yaba groupe armé. Et puis bako solo la pona frontière na biso na Burundi, et puis bako solo la sur projet ya chemin de fer oezo banana Bujumbura, Bukavu. Bandeko toza la connecté, toko développant ensemble. Deuxième point bandeko nangai, boyoka reprise de combat entre FARDC et Rebelle M23. Entre temps, Bandeko, les FARDC se retirent de 4 villages du territoire de Walikale. Bandeko renfort va se retirer pour va en finir dans la Rebelle 23. Et Zaya Kouinda et Sieyindi. Alors, Bandeko Ranga et Mission M. Bandi, comme d'habitude, Boyeb Sabandeko, tant que coquille pour tout sur la masse. On va commencer l'émission Nabissou avec l'arrivée du chef de l'État à Bujumbura. Bandeko Fatia Komakina, Burundi, et pas Iwapi, à Koukoutanana président Burundi, Peba Kosolola, Sir Makambu Oezo le Kabandeko. Il y a consultation, Penava projet entre les deux pays. Boyo Kabandeko. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce samedi 21 mai 2022 à Bujumbura, capitale du Burundi, pour une visite de 3 jours. Le président Tshisekedi est invité par son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye. Azaki invité, Boyebi Keyaya Kapé na Kinshasa. L'année passée, et maintenant, il n'est pas invité Fatshi à Bujumbura. Ma solo banda bak oba ko solo bandeko eza makambu oyu ya ba groupe armé biso na Bujumbura tozana bonne relation wana to koni ya muti relation penda ezali le problème tozana ngo mingi eza na Rwanda. Rwanda tozana penda na relation ya boite ndenge ya zana président Burundi na Rwanda to abonguti. Parce que Rwanda aza lokola moto tozo lia na ye na sima mu Congo yepe azo balukela. Ba relation entre Burundi na RDC eza kwa nuye Rwanda. Parce que bango pena Rwanda eza na kabon pena koyo kana peneza. Bande ko Burundi un petit pays. Bazana ba difficulté bele pour le moment. Richesse, ça va s'appeler la richesse minité, peut-être agricole. Mais, bah, on quand même qu'on se débrouille. C'est ça le problème aux différences de pays, monsieur Nabis. Un petit pays, pays pauvre, mais ce taliban zéla n'a pas. Non. Banzela pena propre. Biso banzile zati. C'est sa place là que sa bonne mauvaise volonté ya batu oyo bakamba kimboka oyo. Alors, toyo kananu arrivé na ina Bujumbura. Bongo, to continue mission na biso. Madame, messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin, sachez que le président Félix Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakeru sont arrivés cet après-midi à Bujumbura à l'aéroport Melchior Ndadaye. Ils ont été accueillis par le ministre burundais des Affaires étrangères. Pendant son séjour de 3 jours, le chef de l'État congolais va échanger avec son homologue Evariste Ndayishimiye avant de visiter la frontière de Gatumba. Alors, Bandeko Tolandi, on arrive à président de la République. Bayako yambaye, et puis après, bako kende tina frontière. Mais tout ça, zonge la po ane après. Tono bananu, oyu, mboka, oyu, batike la ki fachi, men banze la koutu ezati.
tokokolo ba chef po bango ba yebiete eta oyo batikela ki président Tshisekedi mboka ezate mboka kotika la bongo te bo dirije mboka pendant 20 ans quand même ceci ata kotia moi ma kadam ezaka sonye mutawiti ede sa katika ngamu na Rwanda me même si tozana ba problème oyo ya ba rebelle même si tozana ba difficulté ndena ndeki be bandi toko parvendre toujours yako su kubungisa banzela na biso ça fait mal ce qui to tala ba situation yo et yo sala mutu pasi. Dans le programme de son périple, le président Tshisekedi devra avoir un tête-à-tête avec Evariste Ndayishimiye au palais présidentiel de Kitega. Ensuite, selon la presse présidentielle burundaise, les deux chefs d'État visiteront des domaines agricoles dans les provinces du Burundi. Tant que Koma Bakoyambe n'a palais présidentiel, et puis Bako visité. Oyo bango moko ba Burundi bazako kobongisa osoma entre tabandiko bako solo la makambu oto sana ngo ya consultation toke direct bana consultation ba presunyo so ba solo la ki ete ba groupe armé loko bisuto solo la na bango bango ba président ya ba pays voisins baye ba tendre la main na ba rebelle na bango. O monde ba soula ki. Alo, président ya Burundi a lakisi exemple. Attendre le boko na ba rebelle Burundi o bozo mona wana ba rebelle tabar. Di Burundi eti baye autour de la table ba soula. Apese bango expression mieux vaut un vaurien dans votre propre pays que dans mboka mopaye. Attendre ba red tabara o nyoso bazonga Burundi ba solula. Me voisin mususu nana sali ya muti. Na ba solula ba ona fachi bako solula yango. Biso koto ba groupe armé déjà tozo solula yango. Consultation je continue. Tokene nan na consultation peut ko songa na visite à Fatina Burundi. Consultation pour le moment na EDC so continue na. Ba groupe bande ko na Bunia na Ituri ba oyo ka pena ke bango nyonso baza d'accord. Ba sien même ba tout ba lui biso to tiki. FPC oyo wana tuna kodeko ba yokani eti ba surula ba tika oyo baza kusana baza bana ya itu alo to yokananu ndenge ba je bandeko ituri ba grupa arme ya kodeko ba otika minduki bon to continue mission na biso. En Ituri, les leaders des groupes armés acceptent d'adhérer au processus de paix initié par le chef de l'État dans le cadre des consultations de Nairobi au Kenya. Ils l'ont dit jeudi après-midi à Bunia à l'issue d'un entretien avec la délégation conjointe de la présidence et l'ambassade du Kenya. Avec l'appui technique et logistique de la MONUSCO, il déplore cependant le non-respect des engagements qui ont été pris par les autorités congolaises et le retard du désarmement et la démobilisation. Les contre-indus disent Kremoyope. Les leaders des quatre groupes armés, Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC, ARDPC CODECO, Force pour la Défense contre la Balkanisation du Congo FDBC et la Force de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI ont fait le déplacement à Bunia pour rencontrer cette délégation mixte. Tous se disent favorables au processus de paix initié par les chefs de l'État avec la facilitation du gouvernement de Kenya. Ils affirment avoir démontré plusieurs fois leur bonne foi pour la recherche de la paix en Ituri, notamment en signant un acte unilatéral d'engagement
arrangement pour la cessation des hostilités ou encore un accord de paix pour la FRPI en février 2020 ou encore en mobilisant leurs troupes pour sortir de la brousse pour les pré-cantonnements. Cette fois, ils attendent du gouvernement la matérialisation des engagements pris, dont le respect de leur cahier des charges, le lancement effectif du programme des DDRCS. Parmi les groupes armés actifs en Ituri, l'IRDPC Codeco n'a pas encore répondu à l'appel du chef de l'État pour plusieurs raisons. De son côté, l'équipe de la présidence de la République a invité ces groupes armés à déposer les armes sans condition. Bounia Isaac Remoyope. Alors, tolandi biso yo so wana, tiba groupe wana FPIC na mususu wana, ba on batiki po Codeco zana baza divisandu. Me Codeco mususu batiki, me Codeco mususu wana, ba invite bango à déposer les armes. Parce que baza de Codeco. Alors, et je sais la mort parce que il faut batika pour le moment. Yango zoma na fachi. Il y a intérieur déjà ce qui est aussi ici. N'a pas groupe armé, n'a pas comme si à Libanda. Baya kozoa, ba rebelle là-bas. Burundi a répondu favorable à tendre la main officiellement na rebelle burundais Rectabara. A l'objet comme étant baya autour de la table basoula. Babima na RDC. Vous vous souvenez que l'armée burundaise va kotakape bayako bunsa bango na mboka na biso. Donc zoma ba violation ko sakana. Mais mené comme étant makambo te comme nanzila. Ensuite, selon la presse présidentielle burundaise, les deux chefs d'État visiteront deux domaines agricoles na Burundi. En prévision de cette visite, les grands artères de Bujumbura sont parés aux couleurs du drapeau des deux pays et la mobilisation est très perceptible dans la communauté congolaise locale. Ba Congolais basé béné na Bujumbura. Alors, ba tie ba drapeau partout arrivé à Fatshi. Akei moko chaleureux, ba drapeau partout, il y a un des Congo pour n'accueillir le président de la République à Bujumbura. Peuple Nabiso Congolo Bazakuna, Bazouze la chef de l'État. Lors de la visite officielle du président Evariste Ndayishimiye à Kinshasa en 2021, les deux chefs d'État avaient signé deux mémorandums d'entente sur la construction d'un chemin de fer devant relier Bujumbura à Kindu en passant par Bukavu et Kamituka. Bazouze, Fatia Komikuna, Bazouze, projet à chemin de fer, et que l'on voit Bujumbura. Bukavu, Kindu, et puis, donc, les deux pays, tout ça maintenant relié dans le chemin de fer au Bozomona, alors, tant au Penza, et Kouki. Et on te dit, ça va Congolais. Et tu es des Cézana Posa, il y a un Congolais, ma Tonga Mboka. Fati, Azo Sola, na président Burundi, et tu comme étant, Oyo Totia, Oyo kaka pa, oyo nyonso yo biso zanango, oya malam, to tiangwa koto nga ibunga, non biso nyonso, to yokan, et le te pays basangana, akor moko na projet. Botala sou loto zana, chemin de fer zo longwa Bujumbura ti Bukavu. Soko la ki le te pays basay mi ensemble, c'est comme ça. La RDC et le Burundi, qui partagent une longue frontière terrestre et l'accusent, sont déterminés à pacifier leurs frontières et à lutter conjointement contre les forces négatives qui sèment la désolation de part et d'autre. Et comme étant au lieu, la force négative, pas seulement là, pour la partage à frontières, et puis, va signer l'accord au lieu. Pona kotonga chemin de fer Bujumbura Bukavu Kindu. Bandeko, les deux pays basa pena na problème mingiti ya entre bango biso za problème mingi na ba voisin, mais au sud Kivu ba groupe armé basé bele. Alors, et comme état ou chef de l'état azo sola na ba ninga ba voisin,
pour la côté la situation haute zalango ande ko situation où il faut aider ces venas sud Kivu et comme propre tout mona ki influence étrangère va le shooter ma kambo ba rebelle les aller shooter chemin de fer zo luka bujumbura ti bukavu et c'est ça alors soko tali et so salama parce que makambu auto sarango ya ba rebelle et tout ça. Tout ça n'espoir était. Ma solo bago sola présent Burundi et collega kitoko. Et puis ba jeune onyonso bako tika. Onyonso mabi bako landa le chef de l'État. Donc il est attendu partout ba couleur ba drapeau ya EDC na. Il est donc ensemble. Osomo na pena ki buru bulo pene so ça. Alors bandeko si vous avez une situation, Burundi a dit que les rebelles ne basaient pas la biso. Rwanda a dit que les rebelles ne basaient pas la biso. Uganda a dit que les rebelles ne basaient pas la biso. Les rebelles ne basaient pas la biso. Les rebelles ne basaient pas la biso. ADF a continué. Oye côté Rwanda, basana FDLR na bango. Donc c'est ça. Mais ezo senga ete mboka oyu etelema biso. Tout supporter mboka oyo ensemble mboka keli boso parce que soko tali ba attaque oyo pays zo soa et zo senga ete pays na biso et soa quand même position moko claire. Alors il est attendu président Burundi azo azana le senga koyamba fachi mais kote wana mususu tu yebite soki ezandeni yante sa ba congolais et comme temps biso nyonso tous à la cima chef de l'État, pona, oyo etikale ko accomplir musale kenibusu. Alors, bande konangai, c'est à ce point que mon tika. Premier point, oyo, parce que Fachi, azo travaille pour l'intérêt en boka. So, mona keme va voyage au l'air, nyo se bel va zo critiquer, et za pone intérêt en gana yon de konanga kongole. Koso la moutou moutou na téléphone est différent. Mais, Yambala oyo ba invité ye bakendi basolo ande ko Burundi yemo wazana problème sérieux ya osakanati problème azana ngo et sa problème nini embargo makamu bele ba wazo mais puis une to na difficulté ya embargo oya ba ar makamu bele il faut ba lukabari régulariser comme ça Mboko pene eterema. Alors, bandeko, mena, trois pays, Oyo, Rwanda, Burundi, Uganda, na Sud-Sudan, quatre pays, to zanango na l'Est, et comme ta Oyo, bango pe, basile se sécurité kote na bango, bango batande la mena ba groupe armé na bango, ba zonga na mboka na bango. Alors, bandeko, c'est à ce point de comment clôturer la première partie de ce qu'on a deuxième partie. Alors, bande konangai to comme na deuxième point na biso, boyoka reprise de combat entre FARDC et Rebelle 23 à Rutshuru. Bande ko o balubaka ke l'heure est grave. Parce que bitumba oyo e na moment oyo bato bazo sala consultation 123 abandi ko s'attaquer bandi ko sama kamo politique oyo sama na 123 eza vraiment na bato baza sima na bango après baya ko yebisa biso ke baza ba congolais balimba songa na EDC boza ba congolais mais bino bozo kaba ba decision ba kondi mususu ba pe mususu. Parce que ceux qui sont vraiment les vrais Congolais, présents dans la vie, qui ont des armes, mais vous continuez. Ce que vous avez pas, parce que ça fait mal. Comme on a un dossier où il y a un 23. Les porte-parole des opérations Chocolat 2, le lieutenant-colonel Guillaume, dit qu'il a accusé ce vendredi 20 mai 2022 le M23 des violations de cessez-le-feu au Nord Kivu.
les chefs de l'État congolais et kenyan avaient appelé les groupes armés de l'Ituri du Nord Kivu et Sud Kivu à déposer les armes à l'issue des consultations de Nairobi en avril dernier. Bango, batiki ba arme, te ke se passe à Nairobi, ba bengana ki bango na sa. Bazana problème parce que la communauté internationale bazo mona. Nani azana foti, eza bango ou bien na kote yabiso. Donc eza bango. Alors, et là on est toujours senga bandeko. Bato yo bazo solaxa soi-disant que baza ba congolais que bango ba se rebelle pour un motif et puis so tali même ba demande bango ba cahier de charge makambo ebele o talo lui-même bango baza ko imposer bozo sengeloko mais entre temps bozo ko s'imposer que biso ligne na ba grade de autorité na ngona na M23 to kota ngoka na fa de sina ba grâce aux colonel kuna a comme colonel Epanabiso. Et ça, bon côté. Parce que même la FARDC, bazana bateau, bazana ligne, bazana zéna, que y est peut-être qu'on a comme mon conduit gradé. Vous étiez des rebelles. Vous êtes des rebelles. Mais n'a évité pas de bazo boy à babenga bango ba rebelle. Pour n'a bango ba préféré. Alors qu'ils ont été rebellés contre la conjambo. Message est clair et pas le groupe Oyo. M23, c'est bon, bon, et maintenant, tout le monde s'oppose, baza opposé na bango parce que bon, baza. Cet officier militaire reproche à ce mouvement rebelle d'avoir attaqué une patrouille de forces armées de la République démocratique du Congo vers leur position à Kabasanza dans le groupement de Djombo. Alors, bazako akize bango bazako attaquer FARDC mais bango ba l'air retourner bango lobi o voilà biso bwana eso sala vraiment ki tokuti eso sala plaisir ti mboka oyu na biso tomona un groupe mobo ya me invento baso kipe une partie na roni chanjo mais na somo na decision ba parce que bande ko facha lobela ki armé a lobela ki bango mabe na deontologie o bazaki na moya armé ni école militaire a Kinshasa su na ndenge bazako avancer na makam na bafront na makam ebele tout ça parce que un 23 ba komo dende la biso ah ezama bande ko so go zotala o tali même source na bon lobby ah inventoire hey. Mais basa bateau basila kakala mais force au bazu lango api yango biso ba congolais lokola toye ba kanabiso ke bazai pa ba voisin ba voisin ba kozaka na problème na ba congolais pona libre d'abord un makambo ele kakala ba congolais ba yipi sikoyo les mêmes bango au basoloba. Donc ils ont ça la propriété et comme il attaque Oyo bango va sentir la force n'engezala wana ne ba kutika makamunyoso bazo salamani. Alors avançons. Le lieutenant colonel Guillaume Djike assure tout de même que la situation est sous contrôle de l'armée congolaise. Pour lui, cette nouvelle attaque corrobore l'annonce faite la veille par ces mouvements rebelles de relancer les hostilités. Des allégations que rejette le M23 de son côté accusent le FARDC d'avoir attaqué ses positions ce mercredi 18 mai 2022. Pour ces rebelles, les FARDC ont même renforcé leur ligne de front. Bayebi. Mais ce qu'au renforcement ligne de front, bango baza ko akize FARDC et te basangani na ba groupe rebelle mosusu pour ba attaquer bango. Andimete. FARDC asana bibundi la ko attaquer na bango ako sangana banani. Alors que message est clair et pas na bango que
basi sa dossier M23 pomboka ekota na kimi bandeko ezaki som mais avant de continuer tola na extrait oyu bon to continue mission na biso. Après quelques jours d'accalmie, les combats ont repris hier jeudi entre les FARDC et les rebelles du M23 à Runyoni, localité d'un groupement de Djomba dans les territoires de Rutshuru. Conséquence, selon des sources locales, cette zone a été vidée de ses habitants. Les deux parties se rejettent la responsabilité. Le récit de Bernard Nenyangi. Après un affrontement qui a duré quelques minutes hier jeudi, autour de 14h locales, des tirs sont encore entendus depuis 10h locales ce vendredi dans la localité de Rochari, en face de la colline de Runyoni, indiquent les sources civiles dans le territoire de Rutshuru. Les sources militaires dans la région accusent les rebelles du M23 d'avoir lancé des hostilités contre leur patrouille de combat autour de leur position de Kabasanza, dans le groupement de Djomba. Le porte-parole de Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjiki Kaiko, accuse le M23 de violer le cessez-le-feu. Pour lui, cette attaque matérialise l'annonce, hier jeudi, du mouvement de Makenga de vouloir attaquer les FARDC. De son côté, le M23, qui accuse aussi les FARDC d'avoir attaqué ses positions, avait déjà émis ce communiqué jeudi, accusant les FARDC de déployer sur la ligne de front depuis mercredi. Ces rebelles arguent notamment que l'armée entretient de nouvelles rencontres avec les groupes armés et que les renforcés seront avec des éléments membres de ces milices insérés au sein des unités FARDC sur la ligne de front. Goma, Bernard. Alors, Bande Konanga, nous avons suivi. Tolandi Bisonyonso, Ndengenini Batoyo M23, Bandeko, Mbala Oyo. FARDC akosili sabango. Akolongo la bango na kote nyonso bazali. Dongoyo kaka esili na bango mbala oyo. Pourquoi tozolo bango? Parce que ba yebi place bazali mena. E komi tan ya ko deloje bango na ngomba wana ya Roni pe na Changju. Bolandi wana dans un village près de Roni. Et pas wa baba combat et société. Bande ko bi tumba ko saka na nguti. Le commettant va tout aussi le savoir. Pour lui, cette nouvelle attaque, o ezo sala ma bande ko. M23 bazo funda keza. Et FARDC a ebi keza bango. Alors, des allégations rejetées de M23 de son côté accusent le FARDC d'avoir attaqué ses positions depuis mercredi. Bon, ma solange est bannie, mais FARDC est souvent clair que vous violez ce cellule. Nord qui voulait, FARDC se retire des 4 villages du territoire de Walikale. Pourquoi tout tchik extrait Wana? C'est-à-dire, va retirer à côté pour Bango Touba Kene Nangomba Nas Tchanjou. Do FARDC penda kote wana. Me ko banga peza ke neba tiki Walikale. Elo mo pe mabe eko kene kuna loko la FARDC azati. Ma troupe vele de jeso rejoindre kote baza ko bunda na M23. Yangwana ba sali ba vide kote wana nyoso. La population du territoire de Walikale dans la province qui vous s'inquiète du mouvement de retrait des éléments des forces armées de la RDC vendredi dans 4 villages du groupement Ikobo, Jomo Indo et Mouyemeri, notamment local. Peuple pas au banga, ni faire de sa zokede. Faire de se, ba se diriger bango nyo sur renfort, côté M23. Ba si la nana bango un point pour tout. Bande ko se rebelle, ba sa ne lo kote ba okoke pa faire de se. Faire de sa zana nyonso. Alors, tangwe koki. Parce que c'est un peu de temps. Même le M23, c'est un peu de boutique. Il y a des gens qui sont en train de dire garde, il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Faire des choses, il y a des armes. Les problèmes, c'est que je suis allé. Parce qu'il y a plusieurs armes, mais c'est bien. Mususu, ezeko tuzana embargo
pona makambo oye leka kala na l'air ya ex-president Kabila yango zomona ki makambo wana nyoso et de sa koma moutaba problème kote wana oh le lo soka mbagwa ne zate fatia ko soma ba arme bele ako saka anangote po to sara to atake batu c'est ta chose mon boulou alo attaque wana fachi ayebi ndeni ko se débloquer parce que na roni na chanju balobi na population nyonso abima kuna oyoka ka terrain vide bolandi wana extra wana do ba population azo kite bango nyonso po ba benga ngo dernier bombe atomique tango kokoya donc tout somona ki bende le kwaya te musale kusama malamu. Bandeko, M23 ba dendi mingi. Me lèr mwe kometa kusini sabamu. Parce que, bazana bato, bazana ba voisin ba asima na bango. Et puis ba kukabisote. Yan to senga na ba kongole nyonso. To si pour te far de si bende le kwaya te. Musale ke liboso parce que bato yo balingi e dese bongati. Pona bango kaka gere continue. Me gere continue ti wapi. Ali, yangwe kome tabandeko. Oyo, biso nyoso, to tele mapona mboka. Biso nyoso, to tele mapona l'intérêt ya peyi. FADC bazo bunda pona mboka mais toza toujours na ba problème na kati ya armée na biso o biso stoyebi situation yo bande koza situation moko soko talio le bia mboka na biso isa mawa donc ozomona clairement que M23 oyo azana batu sima na bango parce force on a utabi parce mena ba yepsi peuple to abima kuna kote bomba za parce guerre zo tokana ndenga muketi doye ko za pena moto oyo ka biloka minene o fane sa o bake na bango ya ba yepsi peuple se dégage alors ce qui te total c'est le quoi M23 à l'équina été na négociation parce que c'est moutignos. Alors, ça bat mon photo si la nabango très propre. Alors, bande konangai. Situation yo, osoma benaki. Et son laxa qui vraiment qui va si ma bango batouaza. Pour biso, toi, même à mon gandaison, tu as la confiance dans mon 100%. Chers téléspectateurs, la guerre eu avec M23, elle va de sa chose se préparer pena très très bien. Tous les gens qui ont été en train de se préparer. Il y a des gens qui ont été en train de se préparer. Tchonjou, partout. Koleka Bounagando, partout, à côté ou en avant, on a été en train de se évader. Si koyo, peuple a été. Arme na arme siko. Kuna na ngomba chanju, M23. Bakoteo yo siko yo, FADC. Donc zoyo kapena ke ger pende zotoka. Il est temps kusila na nabango. Trop c'est trop. Ozo mwona bandi konangai. Alo, elo tonte jise wa Kongole mena, eza ete, ezo mwona klerma, ete, FADC, mbala oyako ganye. Et puis ceux qui va récupérer chanju na roni, bango ba okoka suko rekipera ngote. Pase mba eleke za ki berere. O trahison. Nde makambalu baki mbali leki. Mbali yoko sara mbali subo ngote. Yango biso nyo sito telema. Il est temps. Bendele yoko ya te. Kongole nyoso. Sima. Ya. FARDESI. Po. To kaema solo oyu. Bato ba mona na lisusu tena misu. Bato nyonso, o bazo kansake.
Fardé sa kotique la bango 1 cm. 1 cm et de se tika la kotika la te bino bata 1,23. Ce qui bozo yo kati, boye baki boko sila. Et puis bato baza lo kola bando ki a Congo. Ya solo. Parce que ba bandi bitumba ka l'air bazo sala, consultation zo salama. Et puis tant ou délégation, examena na goma bazo solo la, pour na ko préparer deuxième tour ya consultation na Nairobi. Donc bato baza batumabi. Et ça, il y a un passé dans mon thème comment 1,23 Oyo. Bazo kansaki, ba armo ba juju et pas ba voisin, ba okora ou résister. Mais mbala Oyo. Boko zwa biloko na bino, boko pakatambangu, boyo Uganda ba ke Uganda, boyo Rwanda ba ke Rwanda, alwe fade sa récupérer Ronina Chanju, peto ko tia bende le kwe ya te pona libera. Pe boko koga lchuko zonga te. Alo, bande koranga, passe sali ya mingi, komona koma batoyo, bakomo saka na biso, c'est à ce point, to komo clôturer mission na biso, bo abonne massivement, bo partager, au revoir, à la prochaine.